Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite capsule vidéo sur le jeûne intermittent, autrement appelé le jeûne 16-8. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Quelles sont les indications, les contre-indications? Quels sont les bienfaits de ce jeûne? À qui il s'adresse? À qui il ne s'adresse pas? Comment faire? Quels sont les bienfaits de ce jeûne? Comment ça fonctionne? Alors, on commence d'abord par expliquer que notre corps est beaucoup plus fait et beaucoup plus conçu pour supporter le manque d'alimentation, en tout cas les périodes où nous ne mangeons pas. Il est beaucoup mieux conçu pour supporter ces périodes que la suralimentation de notre vie moderne. Donc notre corps va beaucoup plus facilement gérer, entre guillemets, le manque que gérer la pléthore, la grande quantité d'alimentation. C'est déjà quelque chose d'important à savoir dans nos sociétés industrielles, occidentales, où il y a du grignotage quotidien, où l'alimentation est souvent beaucoup trop importante en quantité, où nous mangeons beaucoup trop vite, où il y a un grignotage constant qui fait que notre système digestif n'est jamais au repos. Et l'intérêt premier de ce jeûne intermittent, c'est que pendant une période de 16 heures, il va être au repos complet et l'alimentation va se faire sur une période de 8 heures. Donc pendant ces 8 heures, et c'est vous qui allez déterminer à quel moment vous allez manger sur une période de 8 heures, ça peut être le petit déjeuner, une toute petite collation au repas de midi et un repas aux alentours des 16 heures. Vous voyez que vous avez votre période de 8 heures. Ça peut être, on saute le petit déjeuner, on commence à manger la seule alimentation du début de journée, c'est midi. On peut faire un petit goûter à base de fruits frais et fruits secs à 16h ou 16h30. Et puis un repas pris à 20h. Et jusqu'au lendemain matin, midi, eh bien ça fera encore une période de 16 heures de jeûne. C'est chacun qui va adapter en fonction de sa vie professionnelle, de sa vie familiale, des contraintes qu'il peut avoir et puis également de ce qui se passe au niveau physiologique. Il y a des personnes qui n'aiment pas déjeuner, mais pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, on leur a toujours dit que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Non, le petit déjeuner, si on a faim, est un repas important. Si l'on n'a pas faim, on peut sauter ce petit déjeuner, prendre simplement un café, un thé, une infusion. Alors à ce moment-là, sans sucre, sans lait et sans miel, de façon à rester vraiment sur encore un mode de diète, parce que dès que vous allez manger ou boire un quelconque aliment, que ça soit un soda, que ça soit un café sucré, un thé avec du lait, eh bien vous allez lancer une digestion. Et l'intérêt avec ce jeûne 16-8, c'est justement de laisser pendant 16 heures votre système digestif au repos. Qu'est-ce qui se passe quand le système digestif est au repos? Il peut se lancer dans sa fonction élimination. Pendant toute la période où nous mangeons, donc ces fameuses 8 heures dont je vous parlais, que l'on ait 2 repas ou 3 repas, notre corps va être en mode alimentation, nutrition. Mais il ne peut pas être en même temps sur un mode digestion et sur un mode élimination. Et ce qui va être magnifique dans ce jeûne, qui est très facile à suivre, parce que bien évidemment, je ne vous en parle pas sans l'avoir testé, c'est devenu mon mode alimentaire. Et moi qui avais déjà beaucoup d'énergie, il y a encore plus d'énergie. Pas de fatigue après le repas de midi, parce que du coup, c'est une collation très légère, un jus de légumes, quelques olives, quelque chose de très léger. Et surtout, ça permet à notre corps, alors c'est intéressant de savoir que quand nous digérons, il y a des enzymes digestives qui sont sécrétées par notre estomac et plus nous allons avancer en âge et plus ces enzymes digestives vont diminuer. Ce qui fait que passé en moyenne l'âge de 50 ans, nous digérons moins facilement. Il y a moins d'aliments qui, entre guillemets, qui passent. Et l'intérêt, c'est que ces enzymes digestives, si on reste sur une période de 8 heures où on va prendre des aliments, eh bien ces enzymes digestives, ils vont être plus actifs pendant la période de digestion et ils vont bien évidemment se régénérer
pendant la période d'élimination. Donc notre corps, pendant cette période de jeûne de 16 heures, va pouvoir aller brûler, il va accélérer son métabolisme. C'est pour ça que c'est intéressant pour les personnes qui ont aussi un peu de poids à perdre. Il va y avoir une accélération du métabolisme où le corps, parce qu'il n'est plus dans un mode digestif, va pouvoir aller brûler les cellules mortes, les cellules dysfonctionnelles, les cellules dont il n'a plus besoin. Ça va être son carburant pour pouvoir continuer à fonctionner pendant cette période de diète. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant en termes d'élimination parce que il n'est pas forcément facile et il n'est pas forcément adapté à toutes les physiologies de faire un jeûne sur plusieurs jours ou de rester par exemple une, deux journées sans manger. Pour certaines personnes, c'est très facile. Pour d'autres pas, pour des personnes qui vont être en déficit minéral, il va être très difficile de cesser de manger. Mais ce jeûne 16-8, eh bien, il est relativement facile à tenir parce que nous ne mangeons pas pendant 16 heures. Et si sur ces 16 heures, nous avons en gros 8 heures de nuit, c'est quand même beaucoup plus facile de passer ce cap-là. Et si c'est un mode de fonctionnement régulier, notre corps va prendre l'habitude de gérer l'alimentation, la partie digestive et la partie éliminative. Notre corps va prendre l'habitude de gérer ces fonctions-là. Et puis, ça peut être pour certaines personnes fonctionner de cette manière-là du lundi au vendredi, parce qu'ils sont au bureau, parce qu'ils ont une vie professionnelle extérieure, et que du coup, c'est facile à faire, hein, sauter plus ou moins le repas midi en ayant pris un petit déjeuner copieux le matin et attendre le repas du soir, c'est tout à fait possible de le faire du lundi au vendredi. Et puis le week-end, s'il y a par exemple une vie de famille, une vie sociale, on peut repasser à 3 repas dans la journée sur un rythme un petit peu moins précis que celui-là. Ça va être à chacun de vous d'adapter ce jeûne intermittent en fonction de votre mode de vie et de vos activités professionnelles, en fonction bien évidemment de vos besoins en termes d'alimentation. C'est un jeûne qui ne va pas s'adapter aux enfants ou aux jeunes gens, aux adolescents qui sont en pleine période de croissance et qui ont besoin de 3 repas pour certains enfants avec un petit goûter. Donc ils vont avoir besoin de manger sur une plus grande période, mais à partir du moment où le corps a fini sa croissance et jusqu'à un âge très tardif, hein, j'ai appris qu'il y a une personne de 75 ans qui fait ce type de jeûne régulièrement et qui dit qu'elle est remplie d'énergie, qu'elle a une très bonne digestion, un meilleur sommeil. Et effectivement, on constate que quand le corps arrive à éliminer plus facilement ses déchets, ses toxines, pendant cette période de 16 heures, bien évidemment, il va fonctionner encore mieux. Alors, il y a une contre-indication à la pratique de ce jeûne-là chez les personnes qui souffrent d'anorexie mentale, c'est-à-dire qui ont déjà un trouble du comportement alimentaire. Ça n'est pas adapté parce que ça pourrait ne faire que renforcer cette anorexie. Il y a vraiment besoin de la traiter en amont avant de venir à ce type de jeûne. Mais pour les personnes qui sont dans ces difficultés alimentaires, ça n'est pas adapté. Sinon, ça peut être un bon moyen de perdre du poids lentement et sûrement sans vivre de frustration. Parce que du coup, pendant la période où nous mangeons, alors bien évidemment, pendant la période où nous mangeons, nous n'allons pas nous gaver, nous goinfrer d'aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Mais à partir du moment où notre alimentation elle est basée sur des fruits, des légumes, des protéines animales en petite quantité, des huiles de première qualité, de première pression à froid, des oléagineux, des fruits frais, des fruits secs, des glucides aussi, on peut tout à fait manger pommes de terre, riz, pâtes en quantité modérée, toujours associé avec des légumes au même repas, eh bien, nous allons pouvoir perdre du poids ou rester à son poids de forme parce qu'il va y avoir une diminution très légère de la quantité calorique avalée. Si par exemple, nous restons par exemple sur 2 repas normaux plus une petite collation par rapport à 3 repas un peu trop volumineux, il va y avoir une diminution calorique. Donc déjà ça va aider la personne naturellement à perdre du poids. Mais il va y avoir évidemment pendant cette période des 16 heures où il va y avoir du brûlage de graisse inutile, il va pouvoir y avoir justement
un relancement, oui, ou une relance plutôt, le mot français c'est une relance, du système de brûlage métabolique qui va nous permettre d'éliminer des graisses dont notre corps n'a pas besoin. J'ai appris également qu'il y a beaucoup de sportifs qui font ce type de jeûne intermittent et ça n'empêche en rien leur performance sportive. J'ai lu quelques études, c'est un jeûne qui s'adapte aux personnes qui souffrent de diabète de type 2 pour diminuer petit à petit leur quantité d'insuline, aux personnes qui souffrent de maladies d'Alzheimer ou de pathologies dégénératives du cerveau, également à des personnes qui souffrent de cancer sans bien évidemment arrêter leur médication, mais ça peut être une aide très précieuse également pour les soutenir dans ces périodes-là. Les personnes qui vont souffrir de diabète de type 2 ne vont peut-être pas pouvoir arrêter du jour au lendemain ne vont pas pouvoir du jour au lendemain de passer à une alimentation 16-8. Peut-être que dans un premier temps, ça va être une alimentation 12-12. On s'alimente pendant 12 heures et puis il y a 12 heures de jeûne. Et puis au bout de quelques jours, ça sera peut-être une alimentation 14-10. On va manger sur une période de 10 heures. Avec par exemple 3 repas, et puis on va jeûner pendant 14 heures. Et puis quand on sent qu'on peut passer au 16-8, on va manger sur un créneau de 8 heures avec 3 repas, des repas légers mais suffisamment équilibrés, et puis on va jeûner pendant cette période de 16 heures. C'est vous qui savez, c'est vous qui sentez, ne vous mettez pas en déséquilibre. Continuez bien évidemment si vous êtes sous insuline ou si vous avez un cachet, continuez à le prendre, mais vous allez voir petit à petit, et c'est ce que j'ai lu dans beaucoup d'études, un rééquilibrage de la glycémie avec une hémoglobine glyquée qui petit à petit revient à la norme. Voilà tout ce qu'il faut savoir, en tout cas tout ce que je peux vous dire aujourd'hui du jeûne intermittent. Je vous invite à tester. Et puis, sous les commentaires de la vidéo, vous pouvez tout à fait peut-être mettre votre témoignage, poser vos questions. Si je peux y répondre, je le ferai volontiers. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite un bon jeûne. À bientôt.